Bonjour et bienvenue sur la chaîne Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai entendue des centaines de fois. Musculation ou cardio? Let's go! Je vais vous donner une réponse simple. 45 minutes de musculation, on travaille vraiment, c'est à peu près 350 calories. 45 minutes de cardio lent, c'est la même chose en gros. Les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est pas ce qui est important. Ça dépend de l'intensité de l'entraînement, du poids, de l'âge de la personne et d'autres facteurs. Ok, c'est juste un exemple. Quand tu fais du cardio lent, tu brûles des calories. Donc si tu es en dessous de tes besoins caloriques, théoriquement, ça doit t'aider à maigrir. Quand tu fais de la musculation avec ces mêmes calories brûlées, tu es en dessous de tes besoins caloriques. Théoriquement, ça doit t'aider à maigrir. Tu peux revoir cette vidéo si tu veux, elle t'explique la plus grosse erreur de base que font ceux qui souhaitent perdre du poids. On est en plein dedans. Alors, si les deux sont aussi efficaces, pourquoi poser la question? Eh bien, dépassons un peu le bout de notre nez. Quand on perd du poids, on ne perd pas exclusivement du gras, on perd également du muscle. La musculation, par la stimulation de la masse musculaire et certainement par les réponses hormonales, permettent de diminuer la fonte musculaire. Avantage musculation. Eh oui, plus tu as de masse musculaire, plus tes besoins quotidiens sont élevés, je veux dire, plus ton corps dépense pour vivre. Les tissus musculaires, ce sont des tissus vivants. Et puis, physiquement, tu restes plus tonique et plus esthétique. Avantage, musculation, plus plus. On a vu que si on devait choisir une des deux activités, l'une était meilleure que l'autre. Évidemment, coupler les deux est plus productif. D'ailleurs, les femmes ont maintenant compris ça et se trouvent par dizaines dans les clubs de sport à pratiquer des exercices de musculation. Ces dernières années, grâce aux réseaux sociaux, souvent décrié, mais force est de constater que ça a aussi du bon, le comportement féminin vis-à-vis de la musculation a bien changé. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas fait. Tu peux nous retrouver ci-dessous pour des programmes gratuits et des programmes payants. Je te laisse aller y faire un tour. À bientôt. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.